Daniel Tarantola, avant d'arriver à ce document qui déclare que l'éradication de la variole est réelle, on a aussi ce parchemin, hein, avec ce sceau qui certifie qu'on peut parler d'éradication de la variole. Il a fallu mettre en place cette politique d'éradication. Quelles ont été les grandes lignes, finalement, de cette stratégie? Comment elle s'applique? Que ce soit le cas pour la fièvre jaune, qui est un excellent vaccin, qui vaccine presque à 100% de protection, mais qui, malheureusement, s'adresse à un virus que l'on trouve chez l'animal, que l'on trouve chez les primates en particulier, et qui pourrait donc servir de source constante de réinfection. Ou que ce soit la maladie chronique, l'arthrose, la maladie cardiovasculaire, elles font appel à un contrôle qu'on peut mettre en place, prévention, surveillance, traitement, etc. À un stade supérieur, lorsqu'il existe un outil particulier tel qu'un vaccin ou un médicament, on peut penser à l'élimination. L'élimination, ça veut dire exclure d'un territoire particulier, que ce soit une région, un pays ou une sous-région géographique, exclure la transmission d'un virus ou d'une bactérie d'ailleurs, mais par voie d'intervention médicale ou de santé publique. Alors, éliminer la rougeole est une possibilité. Ça a été fait en Amérique du Nord, ça a été fait dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Il y a des réintroductions, malheureusement, de la rougeole depuis des pays où la vaccination n'a pas un taux de couverture suffisant. Mais enfin, c'est une approche de l'élimination qui a fait ses preuves aussi. Pour le moment, il y a plusieurs maladies qui sont assujetties ou qui sont candidates pour l'élimination. Mais voilà, c'est c'est un succès réduit à une population dans une zone géographique particulière, en sachant qu'il y a d'autres régions qui peuvent être infectées, et donc il peut y avoir une réintroduction de la maladie, ou auquel cas il faudra remettre en route des activités d'élimination. L'éradication, c'est quand toutes les régions du monde ont réussi à éliminer la transmission d'un virus particulier ou d'un parasite, comme ça va être le cas en ce qui concerne le parasite pour la dragonculose, qu'on appelle aussi le ver de Guinée, et qui est une maladie extrêmement handicapante dans les pays d'Afrique, où il y a une sorte de ver de très grande longueur, parfois plus long qu'un mètre. On va le voir d'ailleurs. Qui entre par le pied, la plante du pied, et qui remonte véritablement le long des jambes. Enfin, c'est une chose épouvantable. Et on sait que c'est dû à un cercle de transmission entre la larve et le ver lui-même qui se passe dans les eaux contaminées. Et donc, il faut arriver à décontaminer les puits, les sources d'eau, etc. Il y a un progrès extraordinaire qui a été accompli dans ce domaine-là. L'éradication qui avait été prévue pour il y a quelques années n'a pas été atteinte parce qu'on s'est aperçu en cours de route que les chiens pouvaient très bien héberger ce porteur de maladie. Et donc, on pense plus à l'élimination aujourd'hui, à la réduction de l'incidence dans quelques régions du monde, en espérant qu'un jour il y aura un vaccin ou un produit radical. Par contre, il y a deux maladies qui ont été éradiquées, c'est donc la variole et une maladie qui touche l'animal. La variole, elle a la particularité de ne pas avoir de réservoir animal. Elle ne touche pas les animaux, la variole humaine, et les animaux ne peuvent pas la conserver. Par contre, des animaux développent des types de variole qu'on n'appelle pas la variole, on appelle ça les pox. Alors il y a les chameaux, le camel pox, il y a les chevaux, le horse pox, cow pox, bien sûr, qui a donné naissance au vaccin. Et ces agents-là peuvent parfois se transmettre à l'homme, comme ça a été le cas récemment pour le monkeypox. Et il y a donc cette immunité croisée qui est très importante et qui fait qu'il y a une résurgence aujourd'hui du monkeypox, en grande partie parce que les gens ne sont plus vaccinés contre la variole, ce qui les protégeait du monkeypox.
Donc l'éradication est atteinte quand il n'y a plus du tout de transmission. Et ça a été donc le cas pour ces deux maladies, la peste bovine dans le domaine animal et la variole humaine dans le domaine médical, santé humaine. Et le problème est, une fois que l'éradication a été accomplie, qu'est-ce qu'on fait de ces virus? Qu'est-ce qu'on fait de ces agents responsables de la maladie? Est-ce qu'on les conserve, comme c'est le cas pour les virus de la variole, dont des souches sont gardées dans deux laboratoires à haute sécurité, l'un à Atlanta en Géorgie, l'autre dans la région de Novosibirsk en Russie, où ils sont conservés sous surveillance très importante, ne sont partagés que sur place, parfois pour des programmes de recherche très contrôlés et très surveillés. On prétend aujourd'hui, enfin, il y a tout un mouvement qui dit qu'il faut détruire ces virus avant qu'un accident arrive. Chaque deux ans, l'Assemblée mondiale de la santé doit décider si on doit détruire ou conserver ces virus. Alors Daniel Tarantola, sur ce document-là, on voit bien que aux archives de l'OMS à Genève, on a pu restaurer dernièrement une sorte de classeur qui compile les différentes déclarations d'éradication ou d'élimination plutôt de la variole sur la moitié des pays de l'humanité. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce sont des documents qui aujourd'hui symbolisent vraiment le travail d'éradication tel qu'il a été fait pas à pas à travers les pays? Effectivement, l'OMS conserve des archives remarquables et remarquablement organisées sur la variole, mais sur l'activité de l'OMS depuis l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une ressource extraordinaire qui est très bien gérée en ce moment par Marie et Reynald, qui ont fait un travail fabuleux et il nous a été possible de retrouver des pièces tout à fait historiques de l'époque de l'éradication de la variole, mais aussi toutes sortes de ressources sur le sida, sur d'autres problèmes majeurs de santé publique. Donc, effectivement, ici, ce qu'on voit, c'est une étape de la confirmation de l'éradication mondiale de la variole, où tous les pays qui ont connu la variole, tous les pays du monde, en fait, puisque avant les années 50, tous les pays connaissaient la variole d'une façon ou d'une autre, les années 1950. Et tous les pays ont été invités à soumettre un document signé par les plus hautes autorités du pays, certifiant qu'il n'avait plus de variole depuis une certaine date. Ces documents étaient colligés et étaient éliminés d'une inspection sur place les pays qui, effectivement, n'avaient plus eu de variole depuis les années 50, depuis le début des années 60, avec des systèmes de surveillance qui étaient très fiables. Ce n'est pas la peine de se disperser, disons, dans l'effort de certification de l'éradication. Par contre, des pays qui avaient été infectés récemment, ou des pays où les systèmes de santé n'étaient pas très solides, il y avait une enquête nationale d'abord qui se faisait sur place, avec une certification nationale par des experts, non seulement du ministère de la Santé, mais invités d'autres ministères pour confirmer que sur les documents qu'on leur montrait, à la suite de visites qu'ils faisaient sur le terrain, il y avait non pas l'évidence de l'éradication, mais il n'y avait aucune preuve que la variole pouvait toujours être présente. Et puis arrivait, un an plus tard en général, une équipe internationale cette fois, avec une composition extrêmement multinationale, qui venait faire son enquête aussi, et vérifier au laboratoire, sur le terrain, dans les équipes de santé publique, en passant de poste de santé rural à un autre, etc., et qui, sur la base de l'évidence qu'on leur montrait, jugeaient qu'effectivement, la variole ne se transmettait plus dans le pays. Tous ces documents-là, donc ces attestations fournies par les pays, telles que vous l'avez montré, et puis le résultat de ces enquêtes sur le terrain, ont abouti à une déclaration de l'éradication de la variole mondiale, donc, en 1980, par l'Assemblée mondiale de la santé. Ce document, Daniel Tarantola, qu'est-ce que ça vous inspire? Où le trouve-t-on? Où le voit-on? Donc, c'est une statue qui est relativement récente, qui a été mise en place il y a 5 ans, je pense, et qui est située devant le siège de l'OMS à Genève, en Suisse, donc.
et qui a été sculpté par un sculpteur américain, tant que je sache, qui représente donc la vaccination avec la participation d'hommes, de femmes et d'enfants à ce programme célébrant la vaccination par l'aiguille bifurquée sur l'avant-bras d'un jeune garçon. Alors Daniel Tarantola, vous habitez ici à Ferney-Voltaire, donc à quelques kilomètres de Genève. On dirait que ça vous définit bien ce lieu. Ça me définit assez bien parce que j'ai vraiment accordé une priorité majeure dans ma vie à ma vie professionnelle, au détriment souvent de ma famille. Mais effectivement, être proche de Genève, qui est une très belle ville, de l'OMS avec laquelle je conserve des contacts réguliers, et à la fois vivre à Ferney-Voltaire, qui porte un nom prestigieux, d'une personne qui était presque un contemporain de Jenner et qui a lui aussi eu un impact mondial significatif. Et je me tiens toujours au courant de ce qui se passe dans le monde avec ces nouvelles épidémies, ces pandémies qui émergent et qui sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus menaçantes. Donc c'est un travail de réflexion et puis j'apprends beaucoup aussi des jeunes générations qui arrivent avec des idées nouvelles dans ce domaine et la technologie qui se développe de façon extraordinaire. Donc je suis plein d'optimisme. Merci beaucoup Daniel Tarantola. Merci. C'était une maladie, parce que j'espère qu'il n'y en a plus sur cette terre, qui était très dangereuse, qui est due à un virus qui se transmet d'homme à homme et qui a tué en général une personne sur quatre. Ceci, la variole majeure que nous avons eue surtout en Asie, que nous avons eue avant en Europe. Actuellement, nous croyons que même la variole mineure n'existe plus. Comme vous savez, nous avons eu notre dernier cas en Somalie. Nous espérons notre dernier cas en Somalie en octobre 1977.